canapé. Ça va, Armand? Bonsoir tout le monde. Salut, salut. Je vais me changer, je vais me mettre en service. J'arrive. Ouais, vas-y. Armand, prise de service. Donc techniquement, on est payé à attendre là. Ouais, c'est ça. D'accord. Après, ça dépend s'il y a des passants qui viennent. Vous savez que j'ai fait du journalisme avant? Je faisais des voix, je commentais des reportages. Los Santos, la ville qui ne dort jamais. Aujourd'hui, nos caméras ont suivi le quotidien du service médical de San Andreas, situé dans la capitale, au sein du Ocean Center. Mais quoi? Mais Armand? Oui. Mais tu viens de me choquer? Mais quoi? Que pendant un instant que la télé était allumée. Bonsoir. Ouais, coucou les jeunes, comment ça va? Bah, j'avais 40 ans dans la gueule à dire ce que je viens de dire. C'est ah ouais, Harry, c'est ça? Je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Je ça va, les rumeurs courent vite. Courent. Bonjour, je viens faire un test de dyslexie. Babubibobu. Allez, à vous. Blablabliblablu. Hmm. Bon, ok, ça pue la merde. Quelqu'un me donne à boire et à manger, s'il vous plaît, ma justice légale ne m'a rien donné. Alors, vous savez que la mendicité, c'est interdit par le code pénal. Ouais, ouais, mais vu que je suis... En fait, c'est moi la loi, donc... Ah, quoi? D'accord, ok. Ah, la dernière fois, ils ont fait écouter des musiques françaises, là, de type rappeur français. C'est stylé. Attendez, je vous fais écouter. Encore ces français de merde, là. Eh oh, c'est pas gentil. Pour l'air. Mais... Bah oui, la sécurité sociale, c'est très bien. Non, c'est bon, c'est une fraude, c'est encore de l'État. Mais je vous permets pas. Libérez tous mes voisins. Libérez tous mes lapins. Tu me termines Armand avec tes pouces, là. Vous en pensez quoi? C'est du contentionnisme. Oh bordel. Voilà, comme ça qu'on danse. On m'a déjà dit de consulter. Oui, bah là, tu devrais consulter quand même. Là, c'est début de fin d'un film d'horreur. Tête et de buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de pression. Pas sur ami de poule. Dessin animé sous-traité en Corée du Nord. Pardon, est-ce que quoi? C'est vrai qu'il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. On pourrait faire une fusée, combattre des momies et escalader la tour Eiffel. Tu vas bien, t'es sûr? Parce que là, j'ai l'impression que tu divagues un peu. Là. Vague. Ah non, tu divagues. Vague. Oh mon dieu, t'énerve vraiment là. Wow! Ah ça c'est... Et arrête pas de le dire que c'est plus dangereux les escaliers que les flingues. Si, mais il y a les crabes, ils m'ont grignoté partout. Vous savez que 90% des chutes d'escaliers sont dues à des escaliers? Mais non! C'est quoi les 10% alors? Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Ça bonjour va, monsieur la pharmacie, le médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, vous savez, parfois on se met des petites patates et parfois on tombe par terre comme ça et... Et t'as vu, ça fait des petites crampes, tout ça, parfois avec le sport et tout. Bon, je vous laisse, monsieur. On va aller aux urgences. Ouais, bah c'est pas motif, quoi. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous depuis le temps? C'est bien passé. Ça va et vous? Très bien. Bon, monsieur les messages, j'ai quelque chose à vous demander. CH. Allez, dites-moi. Il me faut un truc avec 4 roues. Non, il y aura toujours pas de fauteuil roulant pour vous, monsieur. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, enfin... Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonsoir. Alors, je me suis pris un aileron dans le bide. Un aileron dans le bide? On va aller voir ça tout de suite. Si, mais en tout cas... Et bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Bye. Oula! Bah faites attention, monsieur. Monsieur, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Oh! J'ai trébuché. Excusez-moi. Oui, en fait, je suis blessé. Je vous laisse me suivre, on va aller s'asseoir. Sachez que le Los Santos Police Department recrute. Parce que nous non plus, on arrive pas. Le Los Santos Police Department aussi. On est très bien. Moi, je suis très bien ici quand je vois les spécimens. Alors, c'est mieux payé au LSPD, n'hésitez pas. Mais c'est pas une question d'argent, vous savez. Ce soir, c'est bagarre sur bagarre. Bonjour, j'ai mal, je me suis battu. Après, quand tu vois que c'est souvent les mêmes personnes ou un truc comme ça. Ouais, non, mais tu peux refuser. Tu vas aller avec moi sur l'intervention? Comme vous voulez, oui, on peut faire ça. Tu m'as dit vous? Sérieux? Par contre, Armand, je te déteste, tu m'as dit. Vous quoi, t'es horrible. SLM 015, on va sur notre intervention. Hein? Vous. Ça commence bien. T'inquiète, c'est normal, c'est la rue la vraie. On s'est fait. Vous allez bien, monsieur? Ne mangez jamais épicé. Oh là là, 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 là. D'accord, je te prendrai ce conseil. Ah, mais là, Harry, ça fait maison, ça fait des ravages. Ça fait des dégâts. Bonsoir. Ce serait possible d'avoir un petit pansement, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous savez, petite bagarre, enfin, des choses qui arrivent, quoi. Faire gaffe avec les bagarres, vous n'êtes pas le premier à venir pour ça. Hein. C'est bon, merci beaucoup. Mais non, pardon, attendez, il y a la facture. Non, là, on... Mais c'est pris par la sécu, non? Ah, non, pas ici. Votre nom, monsieur? Duke.
Tu le prends en charge, Armand, tu vas au collège. Ouais. Je vais le prendre en charge. Allez. Il s'appelle Ralph. Allez, Ralph, on reste avec moi. Ah on serre la main. On serre bien la main. Bah, oui, pris un pouce. Vous êtes pris un pouce. Ah, c'est qu'on a vu. Un coup de pare-choc, quoi. Ah, je ne pourrai plus jamais remarcher sans fauteuil roulant. Ah, non. Comme par hasard. Ah, c'est ce fameux monsieur. On va lui couper les jambes, comme ça, il aura allez, vraiment besoin de fauteuil roulant. Allez, c'est bon, on ne casse pas les couilles, maintenant. D'accord. Va voir à la gueule s'il y a du monde de pirates. Tu me tenais au courant, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Dixon ? Oui ? T'es déjà présenté Ralph, c'est mon meilleur ami. Salut ! Ah oui, le monsieur à la club verte tapante. Ouais, c'est moi. Et c'est quoi le souci ? Il a une fixation du genou, mais il peut même pas se payer un fauteuil roulant. Ah, bah je vais payer le fauteuil, il n'y a pas de souci. Ah oui ! Non, 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 non. Madame Dixon, payez le fauteuil roulant ! Laissez-moi vous expliquer la situation. Je suis blessé, oh, je suis vraiment blessé. Attendez, est-ce que c'est pas une ruse pour pouvoir faire des courses en fauteuil hein? Ce monsieur réclame un fauteuil roulant depuis deux jours. Croix de fer, si je mange, je vais en enfer. C'est mon meilleur ami, je lui ai montré qu'on avait les fauteuils roulants. Alors, s'il en a vraiment besoin et qu'il faut une caution, je paierai la caution. Ouais. Mais s'il a vraiment besoin... L'IRM, il dit qu'il a besoin. Salut. Bon, bah, vous l'avez votre fauteuil roulant, vous devez être content. Ouais. Pendant trois jours. Je suis trop content. Allez, vous avez trois jours pour vous amuser avec. Oubliez pas que c'est du matériel médical. Pas oublier que c'est moi qui paye derrière. Armand, fin de service. Bonne soirée à toi. Bonjour et bienvenue. Super d'accueil. Bonsoir. Donc c'est un bar de danse, c'est ça? Ah, c'est plus une boîte de striptease, ouais. Ah, c'est... ah oui, d'accord. Là, y a pas les danseuses. Après, je suis pas très danseur ou danseuse, donc... Plus à regarder. Non, même pas, je... Attendez, j'essaye de deviner les costumes. Bon, un prisonnier, le joueur du grenier... Quoi? Non. Un roi. Oui, un roi, oui. Alice. Et puis il a la vendu. Une reine. Peaky Blinders. Hello. Communiste. Hey ah, vous êtes déguisé en agent de police. C'est Bonnie. Ah, bah oui, mais c'est Bonnie. Donc, c'est vrai. Bah ouais, j'ai dû attacher. Ah, vous êtes agent de police. Non. Mais c'est pas hôtesse de l'air, merde. Oui. C'est une militaire. Vous êtes en homme. Ah non, alors oui, oui. Vous êtes un Catwoman. Ouais, c'est ça. C'est cosmonaute. Ok. Ouais. Vous vous appelez comment? Lana. Ah, je peux pas trop en parler. Lana. Lana ? Ouais. C'est Armand ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Non, mais c'est même toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait longtemps. Enfin, j'ai déménagé. Je suis revenu à MS dans cette ville. C'est toujours un bar ? C'est une ville. Non, plus. Ah non, plus le bar. Ah d'accord. Non, trop de soucis. Yo ! Un chantier, je m'appelle Teuse. Et moi, moissonneuse. Ah ben non, mais du coup, vous me grattez la blague. Parce que vous avez ah bah dit ouais, non. Deux et fois moi. Et moi, moissonneuse. Ouais, voilà. Non, et moissonneuse. On l'a refait, j'arrive. Un chantier, je m'appelle Teuse. Et moissonneuse. Pourquoi il y a que des noirs dans les cages, là ? Ouais, c'est qui qui a dit ça dans le bébé ? Waouh ! La vie noire, je ne l'ai pas dit. Ouais. Le blesse les frères limites. Oui, voilà, le bouton du milieu, oui, voilà. Arrêtez, c'est mon père quand même, il a 68 ans. Oui, mais ton père, il est bourré. Il est pas bourré, il est juste... Bon, bah, moi, je pense que je vais y aller, c'était un plaisir de vous revoir. Fais attention, parce qu'ils sont tous sortis, comme des pas deux. Oui, bah, je vais faire attention. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au plaisir de vous revoir. Enfin, entre le président. On se revoit au taf. Bah on se revoit au taf.